Salut Twitch, ça me voilà. Alors, verre d'eau, évidemment. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Alors oui, le stream a commencé un rien plus tard, tout simplement parce que Streamlab OBS a fait une mise à jour. Du coup, le temps qu'elle se fasse, bah, ça a pris un peu de temps. Alors aujourd'hui, bon, vous l'avez vu au titre, et j'ai évidemment mis l'horaire sur Discord. Je vais vous montrer mes différentes parties que j'ai sous le mode hardcore dans Minecraft. Autre que le hardcore Twitch. Alors, on dépend de comment ça va se passer, du temps de un peu montrer les mondes. Soit ça ne sera vraiment que ça sur tout le stream. Soit si vraiment ça prend moins d'une heure, j'irai quand même sur le mode hardcore de Twitch. Donc celui habituel que vous avez vu depuis le premier stream. Et voilà. Donc là, ça va vraiment dépendre. Il y aura certains mondes où j'ai pas grand-chose à dire. Donc là, je pense que je vais pas rester trop de temps dessus. Comme d'autres où là, j'ai un peu plus à dire. Du coup, voilà. Évidemment, comme c'est l'horaire vacances, bah, il y a un peu plus de stream. Il y en aura assurément un lundi avant le vendredi. Peut-être des fois je lancerai un peu au pif d'autres streams, c'est possible, je ne sais pas. Par contre, moi, comme un idiot, donc voilà, je lis le manga Tanya Devil, c'est juste là. Et le truc, c'est que j'ai acheté le tome 12 et 13. Le problème, je n'ai pas le tome 11. En fait, quand je suis allé au magasin où je vais pour acheter mes mangas, j'avais en tête que j'avais jusqu'au tome 11 justement, et du coup j'ai pris le tome 12 et 13. Du coup, concrètement, la prochaine fois que j'irai, du coup, je prendrai le tome 11 et le tome 14, comme ça me fera beaucoup de lecture. Tome 10 que j'ai toujours pas lu du coup, mais il me reste, bah, du coup, le tome 12, 13, 11, et je crois que le dernier tome c'est le tome 15, sorti, je précise. Du coup, je ne sais pas. En tout cas, c'est le manga. Je m'attendais pas à ce qu'il dure aussi longtemps. Parce que là, quand je l'ai commencé, il y avait peut-être quelque chose comme 5 tomes de sortie en français, je précise. Et ça a continué à sortir et sortir. Et maintenant, il y a plus. Il y a presque 20. Je crois qu'il y a même 20 tomes qui sont sortis au Japon. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de tomes. Je crois qu'il va même faire partie des mangas avec Shaman King, Remember et possiblement Fate/Stay Night Even Fierce. Bah, il va faire partie de la liste des longs mangas que j'ai. Et là, il dépasse déjà les 10 tomes. Donc, il est clairement le. Je regarde. Ouais, non, c'est pour le moment, en termes de nombre de tomes, c'est le troisième plus gros. Derrière Remember avec 17 et Shaman King avec 32 pour la série principale originale. Et puis ils ont ressorti une réédition, comme j'ai parlé dans le manga short, le second manga short sur Remember, avec le tome 33 ou 17 si on prend en compte que c'est juste le dernier tome de la réédition. Qui équivaut à genre 3 tomes. Donc ça fait beaucoup. Par contre, la musique que vous entendez, donc ça c'est de ma dernière playlist OST là, avec Train Odyssey, Dungeon OST. Je suis plutôt content de cette OST, de cette playlist là parce que. Ben, j'avais envie de remettre un peu du Train d'Odyssée, mais j'avais pas envie de re-répéter les. Enfin, re-répéter entre guillemets,
les musiques qui viennent de la série principale. Et comme je connais la chaîne de The Fabulous Troop, qui est une chaîne qui remet, qui met en ligne des dungeons, donc c'est des versions en quelque sorte remixées, réarrangées des musiques de la série principale des Train Odyssey. Et peut-être, mais ça je ne sais pas, donc je ne confirme pas, et peut-être des spin-offs. Ça, encore une fois, je ne confirme pas, je ne suis pas sûr. À voir. Et donc, je me suis dit que j'allais prendre certaines musiques. Et pour l'anecdote, quand je les ai mis sur la piste de montage, je ne m'attendais absolument pas à ce que ça dure 45 minutes à 6. C'est ma playlist la plus courte. L'autre plus courte, c'était la première. Mais la première, celle-là, j'en suis un peu moins content. Parce que ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris genre masse musique. Mais le truc, c'est que je n'avais mis, je crois qu'il y avait 48 musiques, si je ne dis pas d'erreur. Le seul problème, c'est que j'avais mis chaque fois une minute chaque musique. Du coup, bah forcément, une minute, 48 chansons, enfin 48 chansons en musique, ou peu importe comment vous voulez appeler ça, bah ça fait que ça dure 48 minutes, quoi. D'ailleurs, il y a aussi la vidéo Point qui est sortie, qui est sortie il y a 2 jours. Je sais précisément, non pas parce que je retiens les dates, parce que bon, je les retiens à peine, mais parce que dans la partie recommandation, sur la partie où il y a les vidéos qu'on propose, il y a justement la vidéo Point, qui est l'une des plus courtes. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi courte. Je crois que la précédente, la plus courte, je vais vérifier comme ça, vu qu'on a le temps. Bon, là, vous risquez d'entendre... Non, c'est bon, je croyais entendre un autre truc. Bref. Celle-là dure 7 minutes 52. Je pense que c'est la deuxième plus courte. Non, je ne pense pas. Parce que là, je vois que la vraiment première, c'était... Il y a 2 ans, c'était quelques changements à prévoir sur la chaîne. Elle fait 6 minutes 30. Mais si on regarde vraiment en termes de vidéo Point, où c'est l'appellation Point machin, c'est Point décembre 2019, si je ne dis pas d'erreur, c'était il y a 2 ans, donc 2019, avec les changements à prévoir. Et celle-là, elle est encore plus courte, avec 5 minutes 32. D'ailleurs, un truc qui me fait un peu marrer, c'est que j'avais revu cette vidéo-là un peu pour voir ce qu'il y avait changé, pour voir un peu ce que j'avais... énoncé dans cette vidéo-là, et j'avais dit, pour un peu paraphraser, un peu, avec un résumé un peu dégueulasse, j'avais mis que dans la partie jeux vidéo, parce que j'avais classé, je crois que j'ai mis les timers, donc je vais vous lire ça tout de suite. Donc, j'avais mis, ouais, d'abord sortie de vidéo, puis une manga short, puis 4 jeux vidéo, let's play, vidéo random et vidéo pour janvier. Dans la partie jeux vidéo, j'avais mis, ouais, ça va être Candle Catch. Je vais parler de moments, de grands moments du jeu vidéo. J'en ai jamais fait. Bon, en vrai, je vais peut-être faire au minimum une vidéo. Bon, c'est un événement qui est maintenant connu dans le monde du jeu vidéo. C'est le grand crash, ou crack, je ne sais jamais, du jeu vidéo en 1983. Je vais peut-être en faire une vidéo. Bon, j'ai fini mon verre d'eau, mais je vais quand même vérifier si c'est crash ou crack du jeu vidéo. Alors, évidemment, on va demander à Wikipédia. Alors, c'est le terme crash, en tout cas, ça s'écrit K-R-A-C-H. Alors, on va demander au grand Goldtrap comment il nous prononce ça. Je vais déjà couper la musique comme ça c'est fait et je lance Minecraft. Alors, Google Track, comment tu nous dis ça? Crack. Ok, c'est en fait ça s'écrit K-R-A-C-H, mais ça se prononce crack, ok. Bah maintenant je le sais. C'est juste que quand je vois crack, écrit comme ça, je me disais, ouais, en fait, c'est juste qu'ils ont écrit avec un K au lieu d'un C pour désigner un concept bien spécifique. Mais, en fait, c'est bien une prononciation différente.
Je me rends compte que j'ai pas mis mon téléphone sur vibreur, voilà. Comme ça, je vais pas recevoir un milliard de messages. Et là, on attend que Minecraft se lance, parce que je ne l'ai pas lancé. Enfin, je ne l'ai pas lancé, je ne l'ai pas lancé avant de commencer le stream. Au moment de commencer le stream. Parce que j'ai juste vérifié avant deux, trois trucs, si jamais il y avait un problème ou quoi sur un des mondes. Sait-on jamais. Je vais déjà me mettre en mode filmage jeu, même si bon là vous ne voyez rien. Hop là. Bon, là, je vais juste dans le permettre histoire d'être sûr. Normalement, c'est bon. Alors, je propose qu'on commence un peu par les mondes un peu OSEF. Parce que c'est pas les, c'est ceux qui sont les moins intéressants comme ça c'est fait. Si je me trompe pas, évidemment. Je crois qu'il y a celui-là qui est un peu OSEF. Sinon, pire, bah, j'expliquerai un peu, je raconterai un peu. Faudrait que je vois si j'ai mis les musiques. Je pense que non. Parce que bon, s'il n'y a pas les musiques des fois de Minecraft qui apparaissent de temps à autre, ça risque d'être chaud. Bon là ça charge évidemment. Du coup on attend. Là j'ai donné un coup dans le micro, ça a peut-être fait un peu aux oreilles. Je ne sais pas. Ok, non, donc là c'est littéralement en fait mon premier gros monde Minecraft solo. Donc en fait, oula, ça frise un petit peu. Bon, on va laisser le temps la partie de se générer. En gros, quand j'ai reçu j'ai eu ce nouvel ordi-là qui me permet de Ferris, yo, j'ai eu des problèmes pour me co car il me disait erreur de mot de passe, j'ai dû rechanger, ça me saoule. Ah ouais, quand tu te trompes de. Quand t'as oublié ton mot de passe et que tu dois rechanger, ouais, c'est giga chiant. Parce que, évidemment, ça prend 1000 ans. Du coup, tu dois vérifier tes mails parce que ça t'envoie un code. Puis y mettre ce code, puis changer de mot de passe. Du coup, c'est chiant, ça prend 10 minutes. Du coup, là, comme ça, je t'explique un petit peu. Je vais juste aller dans mes mondes hardcore, mes différentes parties du monde hardcore, et je vais un peu raconter un peu ces parties-là, des petites choses par-ci, par-là. Et donc là, bah, tu tombes au moment où j'ai commencé à raconter. Donc pour cette partie-là, donc comme je disais, quand j'ai reçu cet ordi-là, qui me permet de stream, j'avais commencé une première partie. En mode hardcore, évidemment. Et le truc, c'est que j'avais un peu aussi essayé voir si filmer, ça marchait, si ça se passait bien, etc., etc. Et bah, j'ai vu que ça marchait, évidemment. Mais le truc, c'est que dans cette partie-là, je suis mort. Du coup, j'ai refait une autre partie, qui est donc celle-ci. Donc vous voyez, bah, j'ai déjà été jusque diamant. Et je vais un peu vous montrer. Ah bah, c'est la nuit là, mais bon, j'ai une protection, donc je pourrais vous montrer.
Donc en fait, je propose de faire. Salut Néotel, ça va bien? Depuis tout à l'heure, depuis le dernier stream. Enfin, depuis ton stream. Du coup, en fait, donc je suis au niveau du à peu près du point de spawn où je suis apparu quand j'ai commencé la partie. Et comme vous le voyez, bah ça va bien, ça va tranquille. Le stream a eu un peu genre 2 minutes de retard parce que OBS a décidé de faire une mise à jour, mais voilà, c'est toujours sympathique. Et du coup, comme vous voyez, la passion des armures, enfin des armures, des protections, depuis nous, d'ailleurs, le jeu, tu te sentirais de le faire? En vrai, why not? En vrai, why not? J'aime bien le tour par tour, ça a l'air assez stylé. Et si je peux me faire tacler les genoux sur autre chose que Etrian Odyssey. Et donc la passion, comme vous voyez, des protections, des dômes comme ça, elle date pas de la partie hardcore Twitch. Parce qu'en plus, sur mon ancien PC, où j'avais évidemment du hardcore, j'avais une save où, concrètement, j'avais un skip en difficile du prochain. Ah bah écoute, Etrian Odyssey, je prends giga cher. Donc je dis why not? En plus, il y a un gameplay un peu plus différent que dans Etrian Odyssey où ta création de map et tout ça, quoi. Donc why not? Et donc dans ma partie Minecraft Hardcore, je crois qu'elle s'appelait carrément comme ça, j'avais carrément un dôme de terre. Je crois que c'était quelque chose comme du 100 cubes de longueur sur du 400 cubes de largeur avec 100 mètres de hauteur de cube. Enfin, c'était vraiment le dôme de terre. Je check en même temps mes MP Discord. Oula, j'ai donné un bon gros coup dans le clavier et dans la souris. Et du coup, c'était une partie qui était restée vachement longtemps. Bah, en fait, à peu près le moment où j'avais reçu mon ordi et jusqu'à ce que mon d PC décède. RIP à lui. Et donc, cette partie-là, c'est la plus vieille. Alors, celle-ci, je l'avoue, c'est une partie un peu de mon côté perso, évidemment. Mais celle-ci, j'ai un peu triché, je l'avoue. Vous allez vite comprendre pourquoi. Pendant que je descends et que je vérifie mes MP. Ok, voilà, j'ai bien reçu TMP. Je ferai ça tout à l'heure, après le stream. Mais vous allez vite voir pourquoi j'ai un peu triché. Il y a beaucoup d'obsidienne. Parce qu'à un moment, ça me saoulait concrètement de miner juste pour devoir avancer. Donc, j'avais mis en mode LAN. Et j'avais mis, donc, je vais vous montrer là. J'avais mis les commandes, en fait. Évidemment, sur la partie Twitch hardcore, là, bah, j'ai pas triché, hein. Je vais essayer au moins de faire un let's play où je vais pas tricher, hein. Parce que concrètement, sur Rougefeu, j'avais triché sur Ruby, j'ai triché aussi. Même si je dis, ouais, c'est pas vraiment du tri de la triche, c'est quand même un peu. Et sur Donjon Mystère, pareil. Du coup, je me dis, au moins pour la partie Twitch, essayez de ne pas tricher, ça sera pas mal. Au moins le temps du lait. Des moments où je joue en stream. Donc voilà à peu près ce qui s'est passé. Donc là, j'ai énormément creusé, hein, beaucoup, énormément, tellement que c'est un bordel sans nom que j'ai même coupé un moment en ligne droite tellement bah ça faisait limite un S, hein, quelque chose comme ça. Donc je me suis dit, on va couper dedans. Et je suis même tombé dans cette partie-là sur un village. Et je me suis fait, je crois,
attaquer deux fois par des pillards. Sachez que je déteste les pillards. Énormément. Et un autre truc que je déteste aussi, c'est les fantômes. En gros, si tu dors pas assez, bah t'as des mobs qui vont apparaître et qui vont t'attaquer jusqu'à ce que tu dormes. C'est génial. Je crois que sur la partie hardcore Twitch. Bon, je suis pas sûr et je sais pas du tout si on peut vérifier. Si on peut revérifier après la création du monde. Je crois que je les ai enlevés, mais je ne suis pas sûr. À voir. Et sinon, dans celle-ci, voilà à peu près. Et aussi, j'ai en fait deux ouvertures. Une qui va par là, qui mène vers un portail du Nether, qui mène vers la sorte de feu, enfin une sorte de biome forêt avec les mobs. Mais vu que je suis un gros fragile de la vie, j'y vais jamais. Ou alors en mode créatif. Ouais, et par là, bah là j'ai un peu visité. Et par là, j'ai trouvé un village. Et c'est ma partie la plus développée aussi. Après le monde Arthur Twitch. Je pense, voire même peut-être avant en fait. Je ne sais pas exactement. En fait, celle-ci, je dirais qu'elle est plus développée parce que j'ai déjà le diamant ici. Que dans l'autre, j'ai pas. Évidemment, bon, j'ai limite tout niveau. Enfin, tout. Presque tout. Genre les patates, le blé. Citrouille, même si ça me sert presque à rien. Ok, bah merci d'être passé, Néo. Bonne soirée à toi. J'essaierai Noob et je te dirai quoi. Pamplemousse, ou, non, c'est melon, pardon. Blé, non, pas blé, ça c'est canne à sucre, évidemment. Bambou qui me sert pour les sticks. Les animaux pour la bouffe, les œufs ou la laine. Ouais, ici j'ai des poules. Cacao, évidemment. Et ça, en fait, de base, c'est une flèche parce qu'il y a ça. C'était pour m'indiquer où était le portail. Je vais aller vous le montrer, tiens. On a le temps, on n'est pas pressé. Je voulais passer au-dessus, mais. Monsieur Fail. Le bon gros TK Fail. Ah, un zombie. Protégé. Et un squelette dans l'eau. Voilà, j'ai beaucoup moins peur d'aller à l'attaque parce que je suis en full diamant. Voilà, c'est bon, j'ai tout. En fait, je sais que j'ai juste à aller en ligne droite que je vais atteindre la zone en fait. Faudrait que je terraforme pour faire vraiment un chemin où j'ai pas à devoir sauter, tomber. Vraiment, juste le truc, je vais en ligne droite. Par contre, faut pas regarder l'Enderman. Parce que j'ai quand même peur des Endermen. Hein. On est fragile quand même, hein. Je vous laisse, monsieur Lenderman. Histoire de vous montrer un peu l'Ender, je vais vite fait y aller. Genre le temps de vous dire voilà à quoi ça ressemble, merci, au revoir, lol, fin stream. Bon, je vais pas couper le stream, mais voilà. Non, je n'ai rien laissé là. Allez, let's go. C'est l'instant où je vais bien flipper. Donc voilà à peu près à quoi ça ressemble. Non, non, non!
Ok, il a été téléporté, il a été téléporté, donc faut que je sois prêt, faut que je sois prêt. À l'aide! À mon cœur! J'en profite, ouais, j'avais pas mis. À l'aide! Je ne m'attendais pas à ce que je me fasse agresser en fait. Au secours. Du coup, voilà pour ce monde-ci. Je pense que j'ai pas mal présenté. Du coup, je vais prendre aussi celui-là. Maintenant. On va le faire à la suite comme ça. Il n'y a pas de problème de si, oh là là, celui-là c'est un peu le monde Osef, celui-là c'est un peu le monde Osef. J'ai presque comme ils viennent. Ok, celui-là c'est l'autre plus développé. En fait, c'est même le troisième plus développé aussi. Et celui-là a un léger détail différent, c'est que bon, j'ai toujours l'habitude des dômes, mais le dôme est un peu différent en fait. Hop, je passe là pour vous montrer. En gros, le dôme, en fait, ça fait une grosse. C'est ouvert sur d'un côté et c'est un peu utile quoi. Comme ça, je sais d'où les monstres viennent. Et pareil, c'est plus ou moins à quelques détails près au niveau du spawn. En fait, ça me permet surtout pour la boussole. Comme ça, je sais que je suis vraiment tout près. Là, je vais vraiment vous montrer où est le pas de spawn. Parce que la boussole indique le pas de spawn. Même si vous avez mis un lit à 3 km, que vous avez dormi dans ce lit, c'est le spawn qui est montré. Donc mon spawn. Ok, c'est ici mon spawn. Mais comme vous le voyez, c'est à. Vraiment tout près, je fais deux pas sur la gauche ou à droite, en dépend de comment je suis positionné, et j'y suis. Et cette partie-là, je la mets à perso. Parce que l'autre, j'ai un peu. Que je vous ai montré juste avant, je l'ai un peu délaissé parce que. Bah, j'avais un peu tout fait. Bon, j'ai aussi un peu triché, je le reconnais. Et celle-ci, je me suis dit, j'ai. Je vais le faire sans tricher. J'ai juste utilisé la technique habituelle de creuser jusqu'à atteindre les coordonnées pour avoir le diamant. Merci TC45 pour le follow. Et je vois que. Ah, ça marche, ok. Mais on l'a pas vu. Voilà, là on le voit. Là on l'a vu. Moi qui allais me dire encore le truc des follow et autres qui n'allaient pas marcher, là il marche. C'est juste que il était mis dans la couche en dessous. Et du coup ici, bah là c'est littéralement des caves. Littéralement. Du coup, doublement merci à toi Tessie. Salut, je peux jouer avec toi, CP, ça fait 1 heure que je cherche quelqu'un. Est-ce que c'est sur un serveur? Est-ce que c'est dans une partie multi que tu as? Dis-moi tout. Serveur, ok. Est-ce qu'on sait? Est-ce que tu as quelque chose pour? Ok. Est-ce que tu as quelque chose pour peut-être Voc ou enfin faire un vocal, Discord ou quelque chose?
D'ailleurs, passe-moi l'IP de ton serve comme ça, dans le chat, comme ça, je vais un peu visiter, je vais un peu voir, tu me fais un peu la présentation. Et vous voyez un peu les serveurs que j'ai aussi. Oula, ça me met un message là. Je ne sais pas ce que c'est. Du coup, nouveau serveur. Je copie. Je colle. Bon, j'imagine que là, j'ai un espace à enlever. Hop. Ça charge. Impossible de se connecter au serveur. Pourquoi donc? Donc je tente de le modifier, on ne sait jamais. Alors, je vais réécrire le nom complet à la main. Ah ok. C'est bon, donc là, je tords la connexion au serveur. J'ai juste tenté de refaire le truc. Ah bah oui, il y avait le bouton actualiser, je m'engueule, moi je supprime et je le refais alors qu'il y a littéralement juste à juste actualiser. Ah voilà, je suis apparu. Oui, je sors en 1.17. Alors. Normalement, tu vois mes coordonnées, je veux sur la langue, à l'écran. 229, 792, 72, 104, 321. Je ne sais pas si on se rejoint en un point particulier ou... Et si tu veux qu'on voque sur le serveur Discord ou quoi ou qu'est-ce
Mon casque se met mal. Ouh! Ah, une... Oh, ouh! Tu m'as fait peur! Tu m'as fait peur! Je m'attendais pas du tout à te voir. Je vois une maison, je me dis, oula, ça va être... Ça a l'air d'être une... Un peu le look d'une maison d'une sorcière. J'ai plus peu de maisons de sorcières, donc je connaissais pas trop. Et puis je te vois arriver d'au-dessus de moi. Je me dis, oula, qu'est-ce qui se passe? Le spawn? Ah oui, bah ouais, c'est legit. C'est vrai. Ah yes, ah merci. Hop là. Et du coup, il y a la cave de Ender au cas où pour nous. Est-ce que tu as fait autre chose dans le monde dans ce monde-ci ou tu n'as vraiment su faire que ceci pour le moment? Pas de problème, pas de problème. Je vais me faire une épée en bois. Comme ça, j'ai de quoi me protéger. Même si là, mon épée en bois et ma tenue en cuivre ne peuvent pas être contre toi en fer. Dis-moi, que veux-tu qu'on fasse? Miner, faire des maisons, ou carrément. Ça améliore grandement ma protection déjà. Un mode créatif. Il faut faire un spawn au spawn de villageois qui trade. Ok. Du coup, il faut évidemment les villageois.
J'imagine que ce que tu veux faire, c'est le bloc vide là, mettre l'objet pour le transformer le villageois en quelque chose pour échanger. Après, ouais, je crois que je comprends. Oui. Hop. Yes, j'ai compris. C'est bien ça que tu voulais que je fasse. Ça m'a l'air. Ok, parfait, j'ai compris. Ah oui, tu attends, peut-être que je batte lui. Je me disais, qu'est-ce qu'il attend, mais ouais, tu t'attendais que je le mette lui. Je vais faire pour une zone là, si jamais tu veux. Je trouve que c'est une bonne idée en vrai. Comme ça, ça fait un peu basique entre guillemets, mais c'est une bonne idée. Et là, évidemment, les villageois n'ont aucune chance de pouvoir s'enfuir vu que c'est de la bed de la bedrock, oui. Du coup, ils ne peuvent pas s'enfuir. Même si les joueurs veulent troller, ils ne pourront pas. Oula! Je crois que lui, on va le tuer. Ne fuis pas! Tu sais quoi, je vais te mettre admin. Ah nice, merci. Est-ce qu'on rajoute des villageois marchands ou est-ce que ça c'est comme ça? Ok. Ok. Je vais juste m'ouvrir Internet à côté comme ça. J'ai le nom des marchands. Si Google veut bien évidemment.
Pourquoi est-ce que tu l'as tué? Quelque chose n'allait pas? Ah ok. Ah, ok. Ah bah, j'ai mal lu, je suis... Bah, de rien, écoute, hein, si je peux aider... En plus, alors, j'ai pas non plus des masses de viewers, mais si jamais il y en a qui ont Minecraft et que ça tente de venir sur ton serveur... Il y a évidemment eu le lien dans le chat et je le repartagerai si besoin sur mon Discord. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Comment es-tu mort? J'étais anéanti. Oh, la mauvaise touche. Milo a tué au coup de poing.
Ok, j'arrive. Je n'arrive pas à me TP à toi. Sûrement que j'écris très mal la commande. Ah voilà. Aussi. De rien. J'avais pas vu que t'avais cliqué. Bonjour, on y est fait. Maçon. Ah, j'allais faire un tir de pierre, mais il est déjà fait. Le pêcheur, maintenant. Ok, il en reste deux, encore deux qu'on peut faire, le prêtre et le tanneur. Le prêtre, c'est celui avec... Le tanneur, il lui faut le chaudron. Je sais pas du tout comment t'expliquer ça. Et pour le prêtre... Voilà, le prêtre. On va juste écrire la fin, ça sera plus simple. Il lui faut le chaudron pour le tanneur. Celui-là a déjà été fait. Ce personnage-là a déjà été fait. Celui-là à qui tu as vient de mettre l'objet. Bah, j'ai pas pris le chaudron. Voilà. Après, je sais pas s'il est dans la version Java ou si c'est la version Bedrock. Mais normalement, il devrait être dans la... Oui, il est dans la version Java, normalement.
J'avoue ne pas trop m'y connaître. Je connais le concept de base, mais j'ai vraiment trop peu joué que pour être, je pense, un professionnel. Allez, je veux bien. Faudra juste me dire où ça se fait, sur quel serveur, si c'est sur un serveur ou quoi ou qu'est-ce. Serveur que je n'ai probablement pas sur moi. Et après cette partie de Bed Wars, je terminerai le stream. Ah ok, tu t'es trompé de nom, d'accord. Ah voilà. Ok, il faut que je m'enregistre. Alors, le temps de m'enregistrer, je le fais en... Je me mets en mode discussion pour que vous ne voyez pas le mot de passe. Hop, voilà, c'est fait. Je ne suis pas avancé, je ne sais pas où tu es. Ok, tu arrives. Je suis au niveau du texte en anglais.
T'inquiète pas, je t'attends. Du moment que tu m'appelles à 3 heures à venir. Je me mets en discussion le temps que tu arrives. Enfin, en mode discussion le temps que tu arrives. Vu que tu sembles prendre un peu de temps. T'arrives pas à te connecter à l'autre serveur? Voilà. Moi, ce qu'il faut faire maintenant, parce que... J'ai pas l'habitude des serveurs multi. Voilà, j'ai cliqué pour entrer là-dedans. Ok. Est-ce que déjà... Non. Bon, après, histoire que tu ne triches pas, je te demanderai de ne pas regarder le stream en même temps, parce que sinon ça peut de la triche. Ok. Bon, par contre, j'ai pas de... J'ai... Faut aller sur le PNJ en bas. Ok. Cela? Merci Fritos.
Niveau PVP, je suis pas fort. Oula, un instant, j'ai un truc, je ne sais pas ce que c'est, faut le bannir, je pense. Je vais faire ça juste après. Je fais ça juste après. Parce que là, j'essaie de me concentrer là-dessus. De quoi? C'est quoi? Le bot que le truc que je viens de bannir, ça Ah, c'était genre un bot qui faisait sa pub pour des logiciels, je crois que c'était virus ou je ne sais quoi. Mais je vais de le bannir. Yes, trop fort.
Ah, bravo. Oula, qu'est-ce qui m'agresse? J'ai raté mon saut. J'ai complètement foiré mon saut. Ah, bah t'es tombé dans le vide. T'as foiré aussi. Mince. GG. Ah. Eh bien, GG à toi. Bravo. Ah, ah, ça parce que. Oui, bah, GG. Bonne partie. Même si je me suis fait battre. Du coup, voilà, comme j'ai dit, après cette partie de Bed War, je vais donc couper le live et terminer ici. Finalement, le stream a complètement changé de thème entre son début et sa fin. Merci à toi, DC45, j'espère que je prononce bien ton nom, d'être venu et de m'avoir proposé, c'était sympa. Du coup, voilà. Bon, je vais déjà me déconnecter ici. Hop, je me remets en discussion pour terminer. Du coup, la fin de la présentation des mondes hardcore se fera un autre jour. Merci à tous ceux qui sont passés. Du coup, bonne fin de soirée à tout le monde. Au revoir. Et Fritos, je te mords mon dos. Salut.